d'elle, je vais envoyer ça. Alors. Ah, le 1000%, c'est tellement pas de couilles. Ah, demain matin, My Hero Academia. Bon, pour l'instant, l'un des prodiges, à part le truc avec la tétralame, c'était marrant parce que tu te faisais one shot. Ça, pour l'instant, c'est pas fameux. J'avoue qu'en fait, j'aurais pu répondre au calme. Et... De quoi qui fonctionne pas? Le bleu foncé? Prendre les cheveux en bleu. Ouais, sur mes cheveux. Les filles m'ont dit qu'ils ont les cheveux bleus, mais c'est bien moche ce qu'elles ont fait. Tu vois, elles ont mis un bleu clair en fait. Mais qui fait plus faux effet manga à con à coup de chose. Ah, mais j'ai déjà essayé de me teindre les cheveux en bleu, ça fonctionne pas. En même temps, ça n'a pas de pâte. Rouge, c'est mieux. Normal. C'est pas Judas que j'ai envoyé ça, alors c'est qui? Bon, je crois que j'ai trouvé était l'endroit que je cherchais, hein. Vu qu'il y a plein de connards de gardiens volants, le truc que je cherche est sûrement par là. Oh, autant prendre un noir bleuté, quoi. C'est noir avec des reflets bleus. Ah bordel, c'est à qui que j'ai envoyé cette merde? Pourquoi vous parlez de bleu depuis tout à l'heure, mais bon. Parce que je me suis teint les cheveux en rouge et que bleu c'était mieux, mais que je ne peux pas me teindre les cheveux en bleu. Attends. De toute façon, bleu c'est moche. Non, le bleu c'est beau. C'est toi qui es moche. Oh merde. Ça peut pas dire que le bleu c'est moche. Moi le j'aime bleu, le bleu. C'est moche. Mais c'est trop beau le bleu. Non. Ça rappelle la flotte, et la flotte c'est dangereux. LOL. Le mec il prend pas de douche. Non, je dis pas ça non plus, t'es con. Bah t'as dit que la flotte était dangereux. Assume tes paroles, mec. Quand je dis la flotte, je parle de l'eau de mer, putain. C'est peut-être d'être dehors, par exemple, même carrément à la piscine parfois. C'est dangereux, vous voyez. Eh, au passage, tu es 80% de flotte, donc tu es tout aussi dangereux. Par ta connerie. 10%, c'est juste waouh, j'ai 6 litres de sang. Waouh. Non, le corps humain est constitué à 80% de flotte. Et ça, c'est véridique, Dono. C'est pas 90, c'est 70. C'est 80, je te dis, 80%. Non, non, c'est 70. 80. Mais je... 70, je te dis. 80. Je suis même pas sûr sur 70, je crois que c'est quand même carrément 60. Pour vous dire l'écart. Bon, cette quête commence à grave à me péter les couilles par contre. Je déteste ce genre de quête à la con. Ça me pète les couilles, votre quête de merde.
Je déteste ce genre de quête à la con. Ça me donne des envies de meurtre. Allons chercher de l'archer parce que il me pète les couilles l'archer. Il est. Faut que j'initie tout le monde pour avoir l'apparition de mon sanctuaire ou quoi? T'arrêtes d'éloigner, couille molle! Pourquoi je m'y attendais au point de vue de la souris? Oh, abruti! Oh, c'est pas de couilles, c'est pas de couilles, c'est pas de couilles! Vous vous restez patient, je pense pas. Non, mais c'est le genre de quête que je déteste le plus au monde! C'est le genre de quête que je déteste le plus au monde et je vais avoir que ça. Donc je peux déjà dire à l'avance, ça me pétait les couilles. L'autre des prodiges. Non, quand t'as au moins une information géographique, ça me dérange pas. Là, j'ai que dalle. J'ai rien. Par une putain de photo et c'est pas assez renseigné. Ben, t'as un foutage de gueule.jpg. Par contre, j'ai oublié de relancer Stream sur mon écran. Du coup, je me disais, putain, pourquoi ça marche pas depuis tout à l'heure? Je s'appelle pas, connard. Tiens, le retour de Chiki. Cette quête, c'est de la merde, cette quête, c'est de la merde. C'est carrément de la merde, je suis tout à fait d'accord. Ça. Moi qui souffle. D'exaspération. Pourtant ça ressemble bien. Cette zone. Après la photo. Je suis bon sa mère. On voit les trucs bleus, on voit le barrage. Or pourquoi je vois pas le truc bleu? C'est du foutage de gueule.
Il est où le truc bleu que je dois... Ils sont où les putains d'anneaux de merde? Donc, est-ce qu'à chaque fois je dois trouver le truc des anneaux bleus? Je cherche pas pour rien. C'est pas que des courses, hein? Attends, c'est... il me semble qu'il y en a un, c'est une descente en course. Les deux autres, c'était quoi? Je sais plus. Ok, d'accord, j'ai trouvé. Défait les soldats, machine de naguère. En gros, je dois tuer tous les trucs volants. Ok, pour ça que je trouvais pas mon truc. Putain de fucking bluff. Oh oh. Oh, j'ai pas vu. Oh. Il est désespérant le... Vous êtes fini, oui. Oh. Ah, bref, c'est le moment de manger mon salut. Telle la pose que je suis. On commence à me péter les couilles, eux. T'as une quête ou tu dois le prendre en photo? Salut Venancy. Putain, mais il arrête de me foutre des vents, cet enculé de merde là. Oh, enculé de machine de merde. Oh, je suis là, connasse. Oh, votre bouclier va bientôt se briser. Ça y est, il est content. Ah bah voilà, il s'est brisé. Et il l'a cassé. Par contre, je l'ai jamais cassé une seule fois pour le premier. Bah en fait, quand tu t'amuses à faire joujou avec les rayons laser et que tu te loupes... T'as réussi à ne jamais casser le bouclier, Ya. J'ai peur d'être cassé. J'en fais de la chair à pâté. Non, j'ai trop peur de le casser. Oh, il coûte que 3000 rubis, ça va. Tu peux pas me dire que c'est beaucoup. Ouais, mais non, j'aime bien. Maison, mais Écoute, j'ai sué pour l'avoir, ok. Je l'ai eu maintenant. Tu es sué, d'où? Te fous pas de ma gueule, sué. Non. Mais putain, mais arrête de m'ignorer, fils de pute! Oh, il commence à me péter les couilles. J'ai dit qu'il n'est pas mort une seule fois de ton DLC, tu dis qu'elle est faible. Bah ouais. Putain, mais je déteste ces fils de pute de connards de fils de pute volant. Je les déteste. Je reviens, je vais faire un. Je la mets tellement jamais cette tenue de soldat. Là, faut le plus de défense. Ah, les flèches archéoniques. Putain! Ah, je déteste les gardiens volants, ils sont pets de couilles. Ils m'ont jamais fait chier, moi. Non, mais je dois les génocider.
Et c'est pète couille à tuer cette merde. Tu sais que j'ai fait exactement la même chose que toi. C'est très bien que le jeu fait que de me placer des bluffs. Eh putain, ça vise même pas son œil. J'arrive même pas à le cibler. Putain, y a pas le viseur. Mais vise-le, fils de pute. Ouais, bah je suis pas prêt de le tuer. Le laser, ça tape pas dans l'œil. Ouais, bah je peux pas le tuer là. Putain, mais pète couille, putain. Cible-le, connard. Oh, j'existe, connard! Oh, mais c'est juste la merde, ces putains de trucs volants de merde! Oh, putain, mais... Ça commence grave à me péter les couilles, là. Quête de merde. C'est bon, j'ai détruit tous tes gardiens volants, tu me fais pas que mon sanctuaire de merde maintenant? Bon, c'est bien de la merde, l'autre des prodiges. Mais c'est la bonne grosse merde. Ça condense tout ce que j'aime pas. Faut le faire. C'est toi qui as voulu faire Mifa en premier. Non, mais les autres sont pareils. Hein. Faut tous me faire chier. Tu verras. Revive populace. Ouais. Ce jeu se fout de ma gueule là. Alors vous relance Twitch. Il n'est pas connecté sur le Discord, chef. Et oui, Claria, moi je dis la populace. Il dira, mais quand je suis chez moi le matin, je me lève, je dis salut la populace. Il dira. Oh, j'ai placé mon troisième bloc.
Faudrait que je puisse inverser la position de ce putain de truc. Vous êtes compliqué. Tu sais, tu utilises Cinétis. Laisse-moi résoudre l'énigme comme le jeu a prévu à la base et pas tricher. Ok. T'es qu'un faible, Dono, sache-le. Et cet interrupteur, il sert à quoi? Ah, ça coque à ça. Salut, Hera. Alors, je vous entends plus, les gars. J'entends juste des... Oh, oh, des bruits bizarres. J'entends plus rien. Ouais, j'ai coupé le vocal car ça sert à rien, il parle même plus ou je comprends même plus ce qu'ils disent. Mais d'où ça passe un bloc de glace ici, là? Ah, il y a de l'espace, connard. En tout cas, de nos bug à mort, hein, on l'entend plus. Kiki? Ouais. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? J'ai cru entendre de nos bugs à mort. Oui. C'est lui qui bug là? Bah oui, on l'entend plus parler et. Ok. Mais... Ah bah il est parti. Bah oui, il buguait. Wow, 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 wow. Planté. Re. Merci smartphone, c'est cool. J'ai toujours la joie en smartphone. Yo Ultra. Yo. Ah, j'aime ce qu'il dit. Oui, où le dernier? Faudrait expliquer pourquoi c'est pas du tout à côté de chez Ruta. Hein. Donc en gros, là, je dois aller dans une zone que j'ai même pas encore découvert. Ah, si. Ah, si, c'est là-bas. Boulet. Oh, non, celui-là, il est facile à repérer en plus. Hein. Oui, mais c'est une zone que je n'ai pas encore découverte. Ouais, tu l'as pas, t'as pas débloqué la tour, mais bon, il est pas compliqué à trouver. Oui, mais si t'as pas la map pour repérer où est la zone, c'est un peu dur de la trouver. T'as compris où je veux en venir? Eh ben, fallait débloquer toute la map, comme moi j'ai fait au début. La flemme. C'est vrai que la première fois que j'ai eu le jeu, la première chose que j'ai faite, moi, c'est chercher toutes les tours.
Et cette pluie qui me pète les couilles. Bon, pas trop. Étant donné que le DLC, je pensais qu'il allait remonter le niveau du jeu et tout le contraire. Pluie de merde, pluie de merde, pluie de merde. Oh la météo, mon ami. Ah, puis monter sur ce crâne quand il y a de la pluie. Même les jackass diraient. Salut Boisman, non, tu peux pas faire comme moi étant donné que je n'ai pas la fibre. Vous comment les gens ils se ramènent à minuit normal. Toujours comme ça. Dormir la nuit les gens. Chiki, je parle de dormir la nuit. Chiki, chute. Écoute, j'ai dormi hier soir, ok. Du foutage de gueule quand on entend ça de ta bouche. Et je dors la nuit. Certes, le soleil ouais, commence à se lever. Toi, la nuit, c'est de 6h du mat à 18h. Hein. Non. Je me couche à 4h en ce moment et je me lève vers 14h. C'est ça. Tu vois, en plus. Mais... attends, vas-y. Je l'ai envoyé à quelle heure la première image sur le Discord? Vas-y, je vais rigoler. Tu vas voir si toi, tu vas te voir. Non, mais je sais pas, mais je crois pas. Mais je dis que c'est quand même pas crédible. Parce que... Bam! Il était 9h56. Tu vois que j'étais levé tôt. Mais 10 ans. Je t'ai même levé avant toi, j'en suis sûre, parce que vu à l'heure que tu m'as arrêté, que tu m'as répondu. Et encore, moi je me suis levé à 11h30, sauf que mes parents disent que mais j'abuse avec les heures. Putain, il m'aurait fait mon enfant, il pourrait être le plus. Je pense qu'il t'aurait eu comme fille, à mon avis, il serait devenu fou. Toi qu'à une époque je vivais à l'envers. Je me levais à 19h, je vivais toute la nuit, j'allais me coucher à 7h. Chiki la chauve-souris. Ah bah écoute, franchement, Chiki la vampire. Au moins tu me diras. Ils sont plus intelligents. Ouais. Et c'est surtout t'as pas la lumière du soleil qui vient t'agresser les yeux. Ça c'est bien. Ouais. Par contre, du coup, la nuit, enfin, le jour, t'as quand même le bruit des autres, quoi. Non. Tu sais, quand je dors, moi, je dors. Hein. Surtout, j'ai fait de la musique. Parce que moi, quand je dors, le matin, les autres qui font du bruit, c'est fait le oh, bah, tu peux y aller, moi. Moi, quand je dors, je dors. La meuf, elle préfère cambrioler, elle entendrait que dalle. J'entendrai que dalle. En plus, comme j'ai... Mais je dors en plus avec la musique sur les oreilles, alors j'entends strictement rien.
Ça prête la deuxième guerre mondiale derrière elle. Bon bah les couilles. Bah, les couilles. Ah moi je dors. Si le lit est confortable et qu'elle a la bonne musique dans les oreilles pour s'endormir, elle, elle va dormir. Ça, moi je demande pas plus. De la musique, un lit, je dors. Non, le meilleur truc pour dormir, c'est une bonne tempête. Orage, vent et pluie. Ça, c'est parfait pour pioncer. Ah, ça fait trop de bordel. Ah non, ah, moi, j'adore, tu moi. Tu rigoles, c'est la meilleure berceuse au monde. Moi, le moindre bruitien, je dors pas. Alors, pour te dire, si je n'ai vraiment pas de bruit, que c'est le silence total, je ne dors pas. Je ne supporte pas le silence. Ah bon? Ah, j'ai horreur de ça. Et encore, si j'ai même pas ma musique, c'est encore pire. En gros, je tourne dans mon lit, je tourne dans tous les sens et je dors pas. Encore qu'en ce moment, je dors avec les vidéos de Link et Terracine ou Kaamelott. Je me mets ça et je dors. Moi, quand je mets Kaamelott, je rigole tellement que j'arrive pas à dormir, donc j'évite en ce moment. Effectivement, dit comme ça, c'est... Mec, j'ai allumé Kaamelott, c'est la saison 3. Et ça m'a tellement fait rigoler que 2h30 jusqu'à 5h du matin, j'ai pas pu fermer parce que fermer l'œil parce que je t'ai rigolé. Tu m'étonnes. Donc j'ai laissé tomber Kaamelott et je suis reparti sur l'inquiétant acide. Bon, ça me fait rigoler, mais. Moins. Tu es le seul mec qui regarde pas ces mecs ou quoi? T'es le seul mec qui quoi? Qui regarde pas l'inquiétant acide. Tu regardes pas l'inquiétant acide? Tu regardes pas l'inquiétant acide? Non. Oh, il me faut trop rigoler. Tu me diras, ça vaut pas les soirées de Mario Kart, mais c'est drôle quand même. Ah, oh, franchement, bon, ils me font trop taper des barres. Il m'intéresse pas. Bien sûr que Kaamelott, c'est trop bien, c'est la base. Il m'intéresse pas du tout, ces mecs. Ouais, ils sont super drôles pourtant. Ouais, hier soir, j'ai regardé, c'était Zerator par contre. Zerator, lui, j'ai regardé pendant 2 ou 3 semaines, je trouvais ça drôle, et au bout d'un moment, je me suis dit, ben ça m'emmerde. Ah, moi, il me fait trop rigoler, il est toujours en train de hurler. Je connais pas ce mec, pas du tout. Un mec... Zerator ? Non, je connais pas. Bah, c'est en fait le streamer youtubeur, en gros, qui m'a vraiment fait découvrir le monde du jeu vidéo, quoi. Enfin, le monde du jeu, le streaming, on va dire. J'ai commencé avec Twitch, en gros, quoi. En gros, ouais. Bah, je regardais pas avant, au final. Je suis tombé sur lui un jour par hasard et j'ai vraiment adoré. Alors, Chiki, tu devrais essayer de regarder le... Tu sais, de toute façon, tu connais le chef, hein, sur YouTube. Il y a une chaîne Twitch. C'est son petit frère qui va dessus, le chef. Oh, franchement, il m'intéresse pas du tout. Mon frère, il aime bien, je regardais vite fait, mais moi, j'ai pas accroché. Hein. Les lives du petit chef? Non, le chef. Le petit chef, je le connais pas du tout. Mais... Chef, c'est pas compliqué, c'est son petit frère, c'est un pote à moi aussi. Ça, j'avais compris depuis le temps, t'inquiète pas. Hein. Je veux que t'inventer.
On a compris, mais c'est vrai que moi, ils m'intéressent pas du tout, ces mecs-là. Chef, nous disons qu'il y a une façon assez particulière de fonctionner sur YouTube, si c'est le coup du je sais tout et ferme ta gueule, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais, bah non, on a tous un avis et tu m'excuses, mais moi, je sais, j'ai envie de donner le mien, je vais te le donner. Oui, mais le seul problème, c'est que quand il donne son avis, il se base sur des preuves vraies par rapport à tous ces connards qui racontent de la merde sur DBS. Lui, il avance des preuves DBS, et c'est véridique. Je regarde pas, donc il pourra dire n'importe quoi, ça pourrait être vrai, ça pourrait non, être non, j'ai dit moi, DBS, bon. Dragon Ball en général, si tu préfères. Non, concernant DBS, par contre, sur les derniers épisodes, il a vraiment dit de la merde. Je te parle Dragon Ball en général. J'ai dit tous les mecs qui racontaient de la merde, avec leur débat à la con stérile qui veut rien dire. Même pendant la consommation de végétal, il a réussi à rager. Franchement, sur la fin, c'est des... J'en ai parlé avec Max, hein. Même lui, il trouvait que le chef, il abusait, là. Comment dire ? Je vais être méchante, mais pour moi c'est de la merde. Ça vaut pas les bons vieux Dragon Ball. Bon, quand je suis auprès le timing, je vous appellerai. Tu peux avoir le putain tiny de rayon laser un jour. Coucou Pixel. Merci. Franchement, j'ai aucun argument, hein. C'est juste que par rapport à ce que dit mon frère en fait sur la série, ça me donne même pas envie de regarder. Alors oui, alors premièrement, ne jamais céder au jugement des autres personnes, toujours te fais ta propre idée. Premièrement. C'est mon frère et moi, alors... on a les mêmes goûts, tu sais. Oui, donc, mais... Donc vu ce qu'il me dit du truc, je ne veux même pas m'entendre parler. Ah non, moi ça m'intéresse pas du tout, j'ai même pas envie de regarder, ça a l'air d'être une stupidité suprême. Mais, franchement, perso, DBS, moi j'ai adoré, mais après bon. Ah, Y a ses défauts. Mais les défauts de DBS, à vrai dire, on peut les c'est exactement les mêmes que pour DBZ. Et t'entends quoi, des combats trop longs? Carrément. C'est exactement les mêmes défauts, en fait. Mais le problème, c'est que DBZ, on les reprochait pas, ces défauts. Alors que DBS, non, si. On en parle du même sur moi, Freezer. Je préfère Dragon Ball à Dragon Ball Z, hein. Ça, c'était pire, Dragon Ball. Tu dis quoi, mon héros? Oh, un peu de charge posée. Mais j'avoue qu'en plus, apparemment, dans Dragon Ball Super, ils ont fait revenir plein de méchants et genre maintenant ils sont gentils. Non. Non. Ils ont pas fait revenir Freezer? Oui, mais. Si, t'as dit plein de méchants. Il est dans quel camp? Freezer, il est dans le camp Univers 7, donc le nôtre. Mais il a pas le choix. C'est 17, il était quoi avant ces 17? Bon, on en parle de ces 18 aussi, si tu parles là. Il était présumé mort, mais je t'assure, en fait, au final, il est pas mort. Voilà. Franchement. Après, je m'en fous, ces 17, je l'aimais bien, mais. Je veux pas être méchant, mais tes arguments sont juste pourris, là, Chiki. Là. Mais ça m'intéresse pas! Pourquoi je devrais regarder un truc qui m'intéresse pas? Non, mais je veux dire, il faut revenir plein de méchants, mais non. Ils font pas revenir plein de méchants. Mais c'est stupide! Mais ils font pas revenir plein de méchants! Ils mais avaient besoin. Mais pour revenir Freezer, ils ont. Tu te rends compte que même c'est sur la série Dragon Ball, combien de fois il est revenu Freezer? Combien de fois? En tout, c'est que c'est la deuxième fois. C'est son deuxième retour. Ah non, troisième. C'est ça, sa deuxième fois, ouais. Troisième! Si, son troisième. Il est revenu une fois avec Trunks, il est revenu avec une fois avec son Golden Freezer, et il est revenu avec le truc de l'arc DBS, ça fait trois. Merci. Franchement, faut arrêter avec Freezer. C'est l'arc DBS.
Il est revenu que 3 fois. Non mais franchement, je veux bien que Freezer il soit cool, mais faut arrêter. Mais il est revenu que 3 fois, hein. Faut arrêter d'abuser. Il est revenu que 2 fois. 3 fois. Dono, il est revenu avec Lark Trunks. Il est revenu avec Lark Golden Freezer. Quoi, c'était dans la continuité pour moi. Ah non, c'est un retour. Ah merde, j'avais oublié, ouais, l'arc avec l'autre connard, la Garlic. J'avais oublié, merde. J'avais un arc entre-temps, j'avais oublié. Bon, putain, depuis de... Non, surtout que Garlic, il est tellement pas important qu'en fait, à chaque fois, je regarde pas son arc. C'est pour ça que j'avais oublié. Garlic, l'arc Garlic, et le canard Garlic. Hein? Il y a le canard Garlic dans Dragon Ball. Tu sais, Garlic, le mec qui... Il y a sa transformation en gros musculeux là qui veut prendre les boules de cristal. Hein? Il a fait rajeunir Son Goku dans des BGT. Hein? Garlic. Hein? Je vois même pas de quel mec tu parles. Bon là, la fille et le robot. Enfin, non, la fille et le chien, pardon. Hein? Attends, t'as regardé DBS? Oui. En intégralité. Oui. Tu vois le trio de gosses là qui sont tout le temps avec Trunks et l'autre. Oui. Oui. Ben dans le trio de gosses, c'est Garlic. Oui, mais alors là, tu parles d'un OAV, tu parles pas de la série. Les OAV sont pas canon, mais c'est pas un OAV. Alors. Garlic, il est pas dans un OAV. Garlic, mais c'est qui Garlic? C'est qui Garlic? Parce que le vieux, il s'appelle pas Garlic, ni le gamin, ni la meuf. Hein. Il y en a aucun des trucs qui s'appelle Garlic. Hein. Le vieux, il s'appelle pas Garlic. De toute façon, on s'en fout, il est mort, mais... C'est ce que je te dis. C'est qui ton mec, là? Un Garlic. Mais c'est qui? Il a... Mais en fait, c'est Garlic Junior que toi, tu dois parler. Parce que Garlic, en fait, on entend surtout parler par son fils, mais... Ah oui, ben Junior. Et Garlic voilà, Junior, Garlic, c'est qui? Je l'ai jamais vu dans Dragon Ball. Je l'ai jamais vu. Pardon? Ah non, il n'existe pas. Ah bah non, il n'existe pas, mec. Ah non, si, Garlic Junior existe, hein. Oui, alors dans un film ou dans un OAV. Dans un film ou dans un OAV, moi je te parle de la série principale. Moi je te parle pas des films ni des OAV. Ah non, mais il est vraiment dans Dragon Ball Z, hein. Alors faut me dire quand. Sa première apparition est certes dans un film, mais tu le vois vraiment dans la série. Oui, alors quand? À quel moment? À quel arc? L'arc. Attends. Non, parce que je n'ai jamais vu ce mec. Hein. Bah, en fait, de base, il est tout petit. Je sais pas, tu vois les petits. Ah, oh, putain, comment ça s'appelle? Les Namek. Tu vois la gueule qu'ils ont quand ils sont petits? De quoi, les Namek? Tu prends Dende, tu lui rajoutes quelques rites. Dende, tu vois comment il est, ouais, le petit. Oui, Dende, bah oui, bah quoi, Dende, qu'est-ce qu'il a? Et bah, Garlic Junior, en fait, il lui ressemble, sauf qu'il est bleu, clair, très pâle, en gros. Je vais aller sur Google, je vais envoyer une image à Bolero, parce que je crois qu'il y a toujours pas capté. Non, alors, il n'y a eu aucun mec bleu pendant l'arc Namek. Il n'y a eu aucun mec bleu. Alors, Garlic Junior, dans Google, on va prendre une image, et on va voir si Bolero s'en rappelle. Le seul petit mec bleu qu'il y a, c'est Cell Junior. C'est le seul mec bleu que j'ai vu, hein, dans la série. Alors, hop, Discord. Voilà, vous êtes en train de parler des films. Vous êtes en train de parler des films, vous savez, parce que dans la série Dragon Ball Z ou Dragon Ball Dragon, il est jamais apparu ce mec, jamais. Ah bah si, il existe. Hein. Oui, mais dans les films de The V, c'est pas canon. Non, il est vraiment dans Dragon Ball Z. Non, désolé, non. Okay. Les seuls mecs que je connais, c'est Junior. Dragon Ball Z, il a deux apparitions, une quand Sangohan est tout petit, et une entre le moment où ils reviennent de Namek sans Sangoku, et le retour de Freezer. Ben, pendant ce moment-là, on le voit aussi.
Chiki, dis-moi, tu m'aurais pas enlevé le pouvoir de bannir les gens par hasard? Oh, totalement, je l'ai enlevé à tout le monde. Bah, un très moyen de dégager, du coup, notre cher ami... Mais c'est pas le charpé, je t'ai dit, moi, je l'aime bien. Il y a là. Qui mérite de se faire dégager. Non. Alors, merde, image. Qui mérite de dégager? Epic Pocket. Ah. Epic Pocket, parce qu'il est tellement con que la seule chose qu'on a envie, c'est de le dégager. En plus, alors, il veut essayer de faire un débat contre moi et à la fin, il s'y fait. Je suis tellement vexé, je vais te bloquer. Quel déchet, ce mec! Bon, tu l'envoies ta photo de merde là? Mais je l'ai envoyé! Et DSILIA, dans le salon image, c'est envoyé. Ah oui, alors ce mec n'est jamais apparu dans la série. Tu m'excuses, mais non, je n'ai jamais vu cet homme. Et j'ai vu plusieurs fois la série. Il est apparu que dans des films dans les OAV, car je les ai jamais vus. Ah non, non, il est tout le temps là. Non, ah non, non, je te confirme que non, moi. À chaque fois qu'on voit les petits, que ce soit dans DBS, ou dans DBZ, on les voit, les trois. Lui, là, comment elle s'appelle, la copine à Trunks, là? Non, mais ça, c'est pas le mec qui rajeunit Son Goku, ça. C'est pas lui, si, hein. Si, c'est lui. Non, il a pas du tout c'est la même gueule. C'est juste qu'entre temps, tu sais, il va prendre quelques rides et il va vieillir à mort. Oui, mais non, il c'est a pas du tout la même gueule. Regarde, tu vas regarder DBGT, tu regardes le tout premier épisode, c'est lui. C'est pas du tout la même gueule, hein. Tiens, rien. Tu peux pas améliorer le pouvoir des créatures légendaires. Des créatures divines. Ça s'améliore pas. Tiens, si t'as le temps, un moment juste pour regarder, tu vas regarder l'épisode 111 de Dragon Ball Z et tu le vois. Mais je suis sûr que t'as vraiment dû louper les arcs qui lui sont dédiés, parce qu'il a plusieurs arcs rien qu'à eux pour lui. Ah non, alors non, dans la série, non. Alors, la série DBS se résume. La saga Saiyan, la saga Namek, et la saga Boo. Et Cell. Voilà, les seuls 4 arcs qu'il y a dans Dragon Ball Z. Alors, quelque chose, c'est que déjà, avant Cell, il y a les cyborgs. Avant les cyborgs, donc justement à la fin de... Les cyborgs égale Cell pour moi. Mais tu sais, après Cell, il retourne sur Terre, ensuite il y a Garly qui a fait... Attends, ouais, t'as dit quoi comme connerie? Après Cell, il retourne sur Terre? Non, pas après Cell, après Freezer. Oui, plutôt. Putain, fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah si, si, t'as dit après Cell, il retourne sur Terre, c'est ce que t'as dit. Attends, Chiki, j'ai vraiment dit ça ou... Oui, je parlais... Putain, j'ai vraiment pas été réveillé. Mais bref... Passons, De toute façon, Attends, au pire, je vais pas me faire chier, regarde, hop. Bingo, merci Junior. Ah, ouais, mais il est en train de le faire, là, en fait, c'est pour ça. Alors, DBZ, le retour de Garlic Junior, est un arc situé après Freezer et avant son retour. Voilà. Ouais. Oui, non, alors dans la série DBZ, désolé, j'ai jamais vu cet arc, hein. Et j'ai vu tous les épisodes, hein. Ah bah non, t'as dû le rater. Non. Non, à mon avis, ça devait être un OAV ou un film, hein, parce que j'ai jamais vu, hein. C'est pas un OAV, c'est un arc entier, qui dure une vingtaine d'épisodes. Ah non, c'est impossible, je n'ai pas loupé 20 épisodes. Tu skip à chaque fois. Ah, je n'ai jamais loupé 20 épisodes de DBZ, et j'ai vu tous les épisodes.
Là, j'ai mis de gros doutes, là. Il possède un épisode entier, justement. Enfin, un épisode spécial. C'est pas un OAV, attention, c'est un épisode long. Un peu comme le double épisode, là, dans DBS, là, où il y avait Jiren. C'est un épisode long de 45 minutes. Enfin, le premier, hein. Aussi bien, parce qu'il a un épisode long et un OAV. Et une... Un arc entier, un pour lui. Donc, l'arc, déjà l'apparition de Garlic, où il enlève Son Gohan et tout le merdier qui va avec. Je n'ai jamais vu Son Gohan se faire enlever. Hein. Donc, entre la baston, enfin vraiment la toute fin de Dragon Ball, le début Dragon Ball. Ah non, non, mais je sais pas d'où tu lui sors les trucs là. Je ne les ai jamais vus, les trucs là. J'ai jamais. Et Son Gohan s'est fait enlever que par la seule personne, c'est Raditz. La seule personne par qui s'est fait enlever, c'est Raditz. Où le DBZ? Bah, après le tournoi, que Son Goku devient grand, on le voit grand. Simplement. Bah, ouais, bah normalement, t'es censé voir ça. Bah, non, tu m'excuses, mais non, jamais vu. Non. Et j'ai loupé aucun épisode. Non, j'ai encore un DVD celui-là en plus. Je n'ai jamais vu ces épisodes, hein. Ils n'existent pas pour moi. Putain. Oh, les rôles poisson rouge. Non, 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 c'est pas un poisson rouge, c'est. Non, ils n'existent pas. Après, la capture de Son Gohan, c'est dans le film. Hein. Quoi? La capture de Son Gohan, quand Son Gohan se fait capturer, c'est dans le film. Ouais, mais le film il est canon, donc au pire celui on s'en fout. Tous non. Les films ne sont pas canons, mais il y en a une partie qui le sont quand même. Non, non, à cause de. Non, le Junior apparaît bel et bien dans la série en tout cas, c'est tout ce qu'il y a. Mais dit. Oui, il est bel et bien. Non, aucun des films n'est canon car dans temporalité il n'y a pas. Non, certains le sont et d'autres non. Précise. Exemple, Broly n'est pas canon. Ça c'est connu, c'est débattu, hein. On a tous vu le chef. Il se foutait de la gueule des pros. Je monte sur ces blocs de glace de merde. Poupou, ça me pète les couilles. Tu sais que les blocs qui rétrécissent justement quand tu leur envoies une flèche, pourquoi tu fais pas ça sur ceux qui sont en bas? Parce que la flemme. Tu avais pas pensé, hein? Au passage, il kiffe, je t'emmerde. Hein. Hein? Non, rien. Retourne dans ton coup de cause. Mais j'ai pas entendu, sale! Putain. Bon, et où le coffre planqué? Un coffre planqué, il faut que je le trouve. Oh, mais dis pas qu'il est planqué sous un bloc de glace avec me péter. Oh putain, mais va te faire foutre le jeu. Non, là c'est bâtard ça. Je viens me faire le jeu, c'est bâtard. Oh, je l'attendais tellement. Oh putain. Mon dieu. Oh mon dieu, mais moi ça m'était jamais arrivé. Oh putain, ce génie. Vous emmerde, sachez-le. Le voilà, mon putain de coffre.
ça a défendu le bloc qui était au-dessus, je rigole. Où des blocs au-dessus? Où est mon coffre? Coffre plus important que tout. Oh non, mais dis pas que je dois... Oh, je dois ramener un... Faut te faire foutre. C'est con, hein. Non, tu peux pas le pousser, bloc. C'est de la glace, ça devrait largement glisser. Connard. Putain, depuis quand un bloc de glace ne glisse pas dès que t'essayes de le pousser dans un Zelda? Prends n'importe quoi. Bloc de glace de merde. Ah, Waako. Au moteur de dessous. What? J'ai pas encore ta moto de merde. Et pour avoir un moto, faut faire la cinquième créature divine. Donc, pour l'instant, je suis pas dessus. Je suis sur l'autre des prodiges qui me pète les couilles car il est légèrement pourri. Attends, si Dono il est deuxième, c'est le troisième, c'est qui est le deuxième? Steven, level 150. Ah oui, on est, peut-être on est sur ça. Un des seuls mecs qui vient, peu importe le jeu que je fais, lui, au moins. Oh, il m'attrape bientôt le petit con. Bah ouais, lui il vient à tous les jeux que je fais, lui. Ah bah ouais. Et par contre, que je prévienne, demain soir je serai pas là, samedi de la semaine prochaine non plus, et samedi de la semaine encore après non plus. J'ai des trucs à faire. Toujours des fêtes. Je pars à Rennes. Mais quoi que, je serai pas là. Je serai pas là une bonne partie de la soirée, je serai peut-être pas tout, tout bon, mais je sais pas. Ça dépend. Bon, moi je vais me casser du vocal, hein. On pète les couilles. Je vous entendais rien la plupart du temps. Boléro, le petit robot. Allez, je vous laisse en vocal. Ok.
Ouais, mais ça me pète les couilles. Mon Discord bug et on m'entend quasi. Mange jamais, c'est pète couilles. Le monde entier était trouvé factice, ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur, enfuie au fond de ton être, à toi de prouver que tu peux le surmonter. C'est ton âme seule qui doit être faite de cette épreuve, tu n'auras pour âme physique que celle que je t'ai confiée. Oh, je dois me rebattre l'ombre? Sérieusement? Oh. Wow. Très intéressant votre combat. J'ai le droit qu'il y a 10 flèches. En deuxième truc. La transformation pète couille. Fais demi-tour, connard! Lol, j'ai pas esquivé. Mais cette régène de merde, putain. Oh, j'ai plus de flèches. Ah bah oui, maintenant je fais comment, moi? Vous voyez, je suis comment sans flèche? Ah bah oui, bah je peux plus rien faire là. Le boss va se régène, je peux plus rien faire. Ouais, super. C'est sympa la limitation. Vous voyez, je fais quoi moi? Non, je peux rien faire là, je peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer là, j'ai plus de flèche. Ouais, je pète des blocs, waouh, c'est amusant. Oui, ça commence à me péter les couilles, votre truc. Hein.
Je te protégerai. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais. C'est pas de couille. J'ai le droit de bouger 2 secondes. Je vois rien, putain. Ah bah oui, je vois rien, c'est facile pour esquiver des trucs en voyant que dalle. C'est super simple. Hein. Oui, non, mais là, le nombre limité de flèches à 10, c'est un peu pas de couille hein, sur les bords. Hein. Juste un peu. Surtout qu'en mode expert, le mob il se régène. Alors que le flèche ça me sert justement à couper l'effet de régène. Oh mais d'où, j'étais sûr de m'être assez éloigné. Il est chiant ce boss là à cause des phases là. Que veux-tu faire contre ça? Ouais. Aïe. Ok, bonne nuit Laria. Oh putain, il m'a eu alors que j'étais en hauteur. Ok, c'est bon à savoir. Ah.
Non mais d'où? Ça a disparu mon bloc là. Oh. Et il me pète les couilles ce truc. Je te protégerai. Putain! Oh, c'est pas de couille sa mère! Putain, mais donnez-moi plus de flèches! Mais je vois, mais je peux même pas viser le bloc! Mais putain, mais mon connard! Ouais, vas-y, tue-moi. Oh putain, mais c'est juste pas de couilles là. 10 flèches. Que veux-tu faire 10 flèches face à un boss qui se régène? Je peux rien faire avec 10 flèches. Rien. Ouais, bon, c'est bien de la merde. Hein. L'ordre des prodiges, c'est bien de la merde. Hein. Yop, Mala. Allez, faites-moi passer cette scène de merde. Ah, la phase là est super facile. Maintenant, il y a la phase de la merde là. Je peux rien faire. Mais d'où la flèche ne touche rien? Yo, c'est un amiral. Oh putain. Il est pète couille, il est pète couille, il est pète couille, il est pète couille.
voulais donner un coup et pas me faire éjecter, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas de couilles, le nombre de flèches limité, c'est juste bien pas de couilles. Mais je peux même pas échapper à son bloc de merde, je peux même pas le viser. Oui, c'est ce prix, mais tu peux pas le viser. Vu que je suis juste en dessous, je peux pas le viser son bloc de glace. Je commence à me péter les couilles, hein. Mais monte dessus, connard! Oh, ça me pète les couilles. Allez, vas-y, tue-moi une fois de plus. Il s'est trop régène, là. Ça me pète les couilles. Seulement il n'y avait pas l'autre phase à la con dans la flotte. Oui, l'appareil où? Je vois plus que ça comme technique parce que là ça me pète les couilles. Ah, et merde! Attendez pas à ce qu'il me balance ton javelot.
Vite, spawn rapidement avant que tu te régènes, connard. Ouais, alors non, alors tu te capes tout de suite sur le laser. Mais mon connard. Ouais, mais à la foutre, c'est pas drôle, c'est pas loyal. Voilà, je l'ai battu à la loyale, sans utiliser la foudre. Si je dois faire tous les boss avec 10 flèches, ça va être très peu de couilles pour les 10e phases. À cause de la régène. S'il se régénérait pas, ça ne poserait pas de problème, mais la régène pose problème. Ah, enfin un truc intéressant. Dites-moi, votre Altesse, qui sont les 4 autres élus qui porteront le titre de prodige? Le brave du peuple Goron, Daruk. Le guerrier Piaf, Revali. La suzeraine des Gerudo, Urbosa. Et enfin... le porteur de la lame purificatrice. Oh. Link. Je vois. Sidon ! Dépêche-toi de remonter ! Mipha ? Sidon est encore bien jeune. Crois-tu qu'il soit capable de remonter une cascade ? Il le faudra bien. Je vais partir. Je suis la pilote de Ruta. Comment je m'y prends. On y va. Devait m'arriver quelque chose, il faudrait que tu sois fort. Ce serait à toi de protéger notre domaine. Tu comprends, petit frère ?
On y retourne. Cette fois, essaie de remonter tout seul. Moi je veux Mipha perso, hein. Sidou m'intéresse pas, je suis pas gay, mais moi je veux bien Mipha, hein. Mipha-sama, Ah, ça c'est intéressant. Ça. Bon, pour les autres, je m'en fous royal. En fait, les autres cinématiques, je m'en fous royal, étant donné que tous les autres prodiges, je m'en fous royal en fait. Tu es vraiment devenu très fort. Plus encore qu'avant. La prière de Mipha devrait être encore plus utile à présent. La princesse t'attend au château. Ensemble, vous ramènerez la paix en Hyrule. J'en suis certaine. T'as des goûts de merde, Dono. Ah ouais, d'accord, maintenant ça recharge plus vite les sorts. Bon. Ouais, mais je m'en fous de Urbosa en tant que personnage en fait. Et le seul prodige qui m'intéresse, c'est Mipha. Les autres prodiges, je m'en bats les couilles, mais totalement en fait. Mais dans le genre bien profond. Y'a que Mipha qui m'intéresse en tant que prodige. Les autres... Non. Ça m'énerve les bugs. Les bugs que j'ai sur Discord m'énervent. Je dois à chaque fois répéter 3 fois avant qu'ils arrivent à comprendre ce que je dis. Ça me pète les couilles. Mais fais pas chier. Je n'ai pas pour toi, la créature divine de merde. Pourquoi Mipha, ça serait une schizophrène? Explique-moi d'où tu tiens cette connerie. Explique-moi d'où tu tiens cette connerie que Mipha est schizo. Ah là, je suis curieux. Non, alors schizophrène, c'est pas ça, ça n'a aucun rapport, hein. Non, pas du tout. Non, schizophrène, c'est quand tu te débats avec toi-même, hein. Genre quand tu crois qu'il y a plusieurs gens dans ta tête. En aucun cas, schizophrène, c'est ça. Parce que doucement, c'est juste pas avoir une voix. C'est juste être de nature calme ou avoir une voix qui porte pas. Tout simplement. C'est pas être schizophrène. Ah bah non, justement, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Non. Non, parce que ça ne fait pas cette impression, elle a juste une voix douce et calme. Tout simplement.
Non, sur ce coup, là, je te suis pas. Hein. La seule meurtrice parce que c'est la seule waifu potentielle. non, c'est pas non plus, elle est pas trisomique. Non plus. En aucun cas, elle est trisomique. Je sais pas c'est qui Paya. Bah non, y a rien à dire. Elle a juste une voix douce et calme, c'est tout. Y a aucun autre superlatif à dire, quoi. Oh. Non, mais Paya, c'est pas du tout de waifu. Je vais me coucher parce que là j'ai un truc dans l'œil, je suis en train de me gratter l'œil. Là j'ai super mal à l'œil droit, donc c'est difficile de jouer avec un seul œil. Et surtout quand t'as une main qui t'aide à maintenir l'œil droit fermé. C'est assez compliqué. Sa mère, c'est compliqué. Bref, ni fun, aucun problème, ouais. Ah, c'est compliqué. Ouais, bah là, je peux pas avec un œil dans cet état. Hein. Avec un œil dans cet état, je peux pas vraiment faire nuit blanche. Hein. Ah, j'ai l'œil en feu. Ouais, désolé, vous m'excusez les gens, mais là j'ai mal à l'œil. Ah, c'est horrible. Oh putain. Ah là, je peux pas jouer comme ça. Vous m'excusez, mais là, faut que j'aille me coucher parce que là, c'est horrible. Ah putain.
Elle est bonne à baiser, voilà à quoi elle sert, Mipha. C'est largement suffisant. Donc sur ce, je vous remercie de regarder. Je ne sais pas si demain je suis du Mario Kart. S'il n'y a pas grand monde sur Mario Kart, à mon avis, je retournerai sur du Zelda Breath of the Wild. Sinon sur ce, je vous remercie de regarder. Je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Sur ce, salut.